ces cas-là, monsieur, on vous dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben moi, j'ai fait un truc qui ne va pas vous plaire, mais moi, j'ai décidé que si je voulais que ça change, il fallait que j'aille vers celui qui avait plus de chances de gagner contre celui qui est là. Non, moi, je suis allé pour Éric Zemmour, c'est tout. J'y adhère pas à toutes les idées. Il y a des trucs qui me gênent, vous voyez, moi je suis d'origine, et moi-même, etc. Donc il y a des trucs qui sont où il y a beaucoup d'exagération, mais sauf que il faut choisir à un moment donné. Si on est dans un système avec deux tours, etc., où il y a un moment donné, il y en a un système. Alors oui, moi je veux bien, le système il va pas du tout. La gamelle elle est bonne, 7 000 euros par mois. Le système il va pas du tout. Bah oui, mais donc du coup ils vont tous voter. Donc ils vont. Non, mais c'est simple, regarde. La gamelle elle est bonne, 7 000 euros par mois. Le système il va pas du tout. Bah oui, mais donc du coup ils vont tous voter. Donc ils vont. Non, mais c'est simple, regarde. En vrai, je pense qu'il y a je vais dire les trucs négatifs d'abord, ok? Ouais, dites-moi. Dans les trucs négatifs, je pense qu'il y a des exagérations sur le fait de cibler une certaine population qui est clairement pas. Tout le monde n'est pas problématique, faut arrêter, c'est pas parce qu'on est d'un coin qu'on est tous problématiques, ça marche pas. C'est une France, qui est divisée. Non, mais alors. Non, là, c'est une question précise. Non, ça, c'est un truc. Ça, donc je pense que. C'est un peu un gros raccourci qui est un peu violent. Donc là-dessus, au début, j'avais du mal avec ça. Sur les femmes? Non, sur les femmes, parce que je connais un monsieur. Non, mais attends. Bon, déjà, je suis un gros macho. c'est une blague. Non, c'est pas vrai. Non, mais je pense pas que ce soit quelqu'un d'irrespectueux avec les dames du tout. Du tout. Ça, je sais, pour des raisons personnelles. Le côté rassembleur. Eh bien, écoutez, je pense que vu ce qui se passe actuellement, c'est le seul qui parle de liberté, qui parle d'enlever le permis à point, la limitation sur l'autoroute. La gauche qui n'est pas avec lui. Un président doit être rassembleur. Tout, lui, il est là pour cibler. Là, on m'accuse d'être trop à droite pour Macron. Eh bien, on m'accusera d'être le mec de gauche de Zemmour. Le permis à point. Moi, ça fait des années qu'on se bat avec la... Regardez, je vous fais la liste. Vous avez un peu plus de 5000 euros net. Vous avez 5006 net sur votre indemnité. Ça, vous payez des impôts là-dessus. Hein. Mais c'est, quand je dis 5006, c'est déjà avec l'imposition à la source. Je crois, à quelques centaines près. Ensuite, vous avez l'enveloppe pour payer les collaborateurs, 10 000 euros par mois. Ensuite, vous avez l'enveloppe de transport, donc ici, paye du taxi. Et la cantine. Bon, là, j'arrête. Oui, moi, là, j'ai. Oh, oui, vous avez, nous, par exemple, à l'étranger, en plus, une enveloppe encore pour se déplacer à l'étranger. Et puis, il y a l'AFM, l'enveloppe pour les frais de mandat. Mais qui est un truc pas clair, parce qu'en fait, en vérité, c'est une sorte de complément de salaire partiel, puisque vous avez le droit de payer vos vêtements, et vos coiffeurs, et vos chaussures. Moi, j'ai rien contre votre salaire, parce que à partir du moment où vous défendez mes intérêts en tant que peuple. Vous avez raison. Moi, je pense que c'est pas volé, mais par contre, c'est volé si les gens ils font pas pour défendre les gens. Mais sauf que là, en période. C'était une question. Vous avez raison. Un an avant la présidentielle, faut oublier, ils veulent tous sauver la Après la présidentielle, ils sont en train de se mettre en place. Un an avant la présidentielle, ils sont en train de faire un mal. Oui, vous avez raison. Un an d'adaptation pour que les gens n'ont rien compris au film. Et un an de fin pour. Donc en fait, il n'y a que 2 ans et demi d'efficace. On est d'accord. J'ai compris, je l'ai vu moi-même. On légitime un système où on vote pour des gens qui défendent leurs propres intérêts. C'est une légitimation aujourd'hui de ce qui se passe depuis toujours, finalement. Mais aujourd'hui, c'est acté. Aucun problème de conscience. C'est acté, c'est juste qu'avant, les gens ne voyaient pas parce que. On ne savait pas tout comme maintenant. Maintenant, n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, ils peuvent tout voir. Moi, je ne savais pas d'extérieur quand j'étais plus petit. Ça avait l'air vachement clean. Je regardais à la télé les séances, tout ça. Le truc le plus inutile, c'est ce qui se passait là maintenant, les séances de questions de gouvernement. Tout est pipé d'avance. Donc ça ne sert à rien. C'est pour choper justement le Covid avec tous les gens qui sont là de partout serrés comme des sardines. Pour écouter un truc qui est prévu à l'avance. Ne vous inquiétez pas, Macron a mis la.